temps de célébration. Dis à ton voisin célébration. Et je veux que ce soir, tu disposes ton esprit pour louer le Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. C'est que les murailles qui te tenaient tête dans ta vie vont tomber par la louange. Est-ce que tu crois à ça? Si tu crois à cette parole, lève la main droite comme ça. Ce soir, on y va.
Oh!
Thank you.
Qui est Jésus-Christ. Salue le Saint-Esprit, il s'appelle Jésus. Tu peux encore pousser les cris de joie vers Jésus parce qu'il y a les vivants. Si tu es vivant ce soir, acclame Jésus-Christ de Nazareth parce que tu fais partie de ceux qui vivent. Amen. Si tu fais un tour dans les hôpitaux, si tu fais un tour à la mort, tu sauras qui tu es. Amen. Voilà pourquoi à chaque instant, quand tu te réveilles, c'est une grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu, il faut profiter. Dormir est permis, mais se réveiller, c'est Dieu qui décide. Voilà pourquoi nous allons profiter, groupe musical, nous allons, pendant que les sujets sont en train de passer, on va aller en fond sonore. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. D'abord, depuis l'année a commencé, Dieu n'a qu'à veiller sur toi. Il n'a qu'à te protéger. Comme une poule le fait pour ses poussins, pour ne pas que l'épervier descende, pour prendre un dedans. Mais Dieu te garde. Celui qui meurt, tu n'es pas plus important que cette personne-là. Mais c'est Dieu qui te fait grâce. Ensemble, élevons la voix, rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous accorde. Dis merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu. Père, je veux te rendre toute la gloire pour la puissance, Seigneur, de ton nom. Nous voudrons te dire merci, qui est semblable au lion, à l'agneau assis sur le trône. Les monts s'inclinent, Seigneur, et les océans rugissent devant toi. Qui est comme toi, Jésus? David le dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, mon âme te bénit. Gros musical en force sonore. Mon âme te bénit. Mon âme te lève, Seigneur. Merci en chaque instant, en chaque moment, parce que tu nous gardes, Seigneur. Merci, Jésus. Dis merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour la vie de tes enfants. Dis merci à Dieu pour tes projets. Dis merci à Dieu pour le combat qu'il mène pour toi dans le secret. Dis merci à Dieu parce que chaque jour est un combat. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour voir dans le spirituel, combien de fois tes ennemis sont au jaquet, tu allais voir que ton Dieu était vraiment, il était élevé au-dessus de tout, comme il est élevé. Élève la voix, dis-lui merci. Si tu as le souffle de vie, c'est grâce à Dieu. Si tu as la force de te tenir sur tes pieds, c'est grâce à Dieu. Si tu as la force de chanter, de danser, rends gloire à Dieu ce soir. Merci Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. La vie que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Les oiseaux, les animaux sont reconnaissants. Chaque matin, il dit merci à ce Dieu-là. À chaque instant, dis merci à ce Dieu. Si les oiseaux du ciel le font, pourquoi toi et moi qui sommes une créature de Dieu, pourquoi ne pas élever la voix pour dire merci à ce Dieu-là? Il mérite la louange. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. La situation que tu vis n'est pas plus élevée que Jésus. Dans les moments difficiles, élève ton Dieu. Dans les moments difficiles, adore ton Dieu. Dans les moments, quand ça ne va plus, tu as compté sur les hommes. Mais l'homme ne t'a pas rassuré. Mais Dieu est capable. Et confiance en ce Dieu. In the most sacred road, sign the way to Jesus prays. Loki ma sante le bo, sante le bo, sante le bra, 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 s
Dis-lui merci encore. Dis merci à Jésus. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. On ne méritait pas de vivre, mais Dieu a permis. Ta maman pouvait enlever cette grossesse, mais Dieu a permis. Mon âme te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon âme t'adore de ce que je suis une créature si merveilleuse, glorieuse. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. On va prier pour réclamer l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Tu vas dire, cet esprit vient nous conduire. Esprit de feu, de puissance. Sans toi, je ne peux rien. La force de David venait dans la présence de Dieu. Ce qui faisait sa force, c'était l'Esprit de Dieu. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que j'ai mis en toi. Ce n'est pas un esprit de tiédeur que j'ai mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi, c'est l'esprit de vie. Voilà pourquoi il faut manifester cette vie-là. Parce que Jésus est en toi. Christ est l'espérance de la gloire de ce que tu es. Et nous allons avoir, réclamons l'Esprit de Dieu. Appelons-le ce soir, sur ce programme, dans ce quartier, dans l'atmosphère, ce soir. Réclame l'Esprit de Dieu ce soir. Réclame l'Esprit de Dieu ce soir, que tous les autres noms disparaissent. Réclame l'Esprit de vie, l'Esprit de consolateur, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance ce soir. Esprit de feu, Seigneur, nous t'appelons. Viens prendre le contrôle maintenant. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens maintenant, Seigneur, dispose l'atmosphère. Viens maintenant par ton esprit. Prends maintenant ce contrôle. Merci Jésus, bien-aimé, continue, appelle-le ce soir. Merci. C'est toi le moteur de la vie chrétienne. C'est toi qui es l'inspirateur principal. C'est sur toi que nous voulons nous appuyer. C'est sur toi, Seigneur, que nous voulons nous référer. C'est sur toi que nous voulons, Seigneur, compter ce soir. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, toute chose vient de toi. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Au nom puissant Jésus. Merci pour la vie. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour réclamer encore l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, nous sommes, la Bible dit racheter les temps, car les jours sont mauvais. Tu as bien commencé avec Dieu, mais comment tu termines? Nous avons bien commencé l'année avec Dieu, mais comment nous sommes en train de terminer l'année? Qu'est-ce qui est en train de te disqualifier? Qu'est-ce qui est en train de te décourager de la présence de ton Dieu? Tu vas te rapprocher de lui, demander l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, viens me donner la force. J'ai perdu l'équilibre. J'ai perdu l'inspiration. J'ai perdu la capacité. Élève la voix. Appelle l'Esprit de Dieu de te réveiller dans la prière. Dis Seigneur, fais de moi une flamme du feu pour que je puisse allumer les autres. Pour que je puisse réveiller ma famille. Pour que je puisse être une flamme du feu dans ma famille, dans mon travail, dans mes activités. Pour allumer les autres. Élève la voix. Réclame le feu de l'Esprit de Dieu dans ta vie, dans ta relation avec Dieu. Prie ce soir. Réclame encore l'Esprit de feu, de puissance ce soir. Bien-aimé, si tu manquais la prière, si tu manquais de méditer, si tu manquais la concentration, demande à Dieu de te donner ce soir. Dis à Dieu que tu sortiras de ce programme en étant rempli du feu de sa présence. Et de ta voix, dis Seigneur, j'ai besoin de ton feu. Allume-moi pour que j'allume les autres. Fais de moi une flamme du feu. Il fait de ses serviteurs une flamme du feu. Il fait de toi une flamme du feu. Dis Seigneur, fais de moi une flamme du feu. Seigneur, fais de moi une flamme du feu, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Le sacamo chatarababa. Inamo saye when Jesus prayed in la soutarabo shabababa. Kenamo saye moche. Oui, tu as été promis, Seigneur. Tu as été promis, Seigneur. C'est toi, Seigneur, que nous voulons. Nous ne voulons pas autre présence ce soir. Viens maintenant, Seigneur. On a la sonnette, Seigneur. J'ai soufflé le vent du désert.
Tu vas encore prier. Demandez à l'Esprit de Dieu de toucher ta bouche. Samuel dit, Seigneur, je suis un enfant. Il dit non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Amen. Je veux que tu lèves les mains comme ça, en signe de reconnaissance. Ce chant d'adoration nous dit, quand j'ai crié à l'Éternel, du plus profond, dans la poussière, dans la boue, dans la prostitution, dans le péché, dans l'abandon, dans le célibat, lorsque tout le monde m'a rejeté, j'ai crié à Dieu, mon Dieu qui s'appelle Elishama, et il a entendu mes cris. Oh bien-aimé, je ne veux pas que tu restes, je ne veux pas que tu passes à côté de ce moment. Médite et accueille chaque parole de ce cantique. Alléluia. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Il s'appelle Elishama. Dans le célibat, moi j'ai crié. Dans le chômage, moi j'ai crié. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Elia,
Oh,
Je bénis notre Seigneur ce soir pour ce temps qu'il nous donne de le louer, de l'adorer et de lui dire qu'il mérite toute gloire. Dieu fait des miracles dans nos vies. Il est très important de reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que chaque jour, le souffle de vie qu'il renouvelle en toi est un miracle. Est-ce que le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu dis merci à Dieu de t'avoir maintenu en vie? Ne voyons pas seulement que les choses matérielles. Il y a des personnes qui sont très riches, mais n'ont pas la santé que toi tu as. Donc chaque jour, il est très important pour ta vie de dire merci à Dieu et de lui donner toute l'adoration et toute la gloire. Amen. Amen. Nous te célébrons. Nous voulons te dire que tu mérites toute la gloire. Et nous voulons lever les mains pour t'adorer. Nous t'adorons, Seigneur. Et nous t'aimons de tout notre cœur. Prends la position d'adorateur. Que tu sois assis ou levé. Mais adore ton Dieu. Jésus, mon roi. Mon sauveur, personne n'est comme toi. Mon guide, personne n'est comme toi, Jésus. Tu es ma force, protecteur, personne n'est comme toi. Mon sauveur, personne n'est comme toi. Mon Seigneur, personne n'est comme toi. Tu fais tout ce qu'on dira. Il n'y a pas de temps.
Dieu jamais. Donc il est bon de lui dire qu'il est grand. Il est notre Dieu grand. Thank you.
de l'un des secrets des miraculeux. J'ai dit, avant de célébrer le miracle, il faut célébrer le miracle avant la venue du miracle. Amen. Donc tu es dans cet endroit, j'aimerais que tu célèbres le Seigneur avec des acclamations. Est-ce que tu peux acclamer le Tout-Puissant? Est-ce que tu peux t'élever? Acclamer le Tout-Puissant Dieu. Alléluia. Gloria Meshira Kate no mie Hera Tifata Gloria Mekutu Il y a une partie qui me plaît. Élévation à Jésus-Christ. Il mérite l'élévation. Nous allons partir en reggae comme tu veux. Alléluia. Est-ce que tu vas cramer comme ça pour le roi de roi? Your name is
Don't
Alléluia. Après cette louange là qu'on amène est un peu bizarre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble pour acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Non, attendez. On se tient debout et puis ensuite on acclame. Alléluia. Voilà, est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Amen. Je vais compter jusqu'à deux. Un, deux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà. J'aimerais juste dire cette chose, c'est que on est tous chrétiens ici, voilà. Peut-être toi qui entends ma voix, tu es chrétien ou tu ne l'es pas, mais une chose est sûre, c'est que lorsque nous nous donnons de croire à quelque chose, bien en quelque chose, il arrive parfois que nous doutons. Voilà, parce que les circonstances nous montrent le contraire de ce à quoi nous croyons. Alléluia. Mais je veux juste dire à quelqu'un de ne pas désespérer. Parce que celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth est l'espoir des sans espoir. Alléluia. La Bible nous dit que Lazare sentait déjà, mais le Seigneur a opéré le miracle. Donc j'aimerais qu'on s'en puisse encore élever ce Seigneur. Tu peux t'asseoir de là où tu es. Ensemble, on va. Je veux juste que tu montres encore plus auprès de ton Dieu. On va s'en dire. Hey!
souvent nous transportons des blessures intérieures, des blessures de notre enfance, de notre jeunesse, au travail, à la maison, dans notre couple. Et le Seigneur est capable de nous guérir et nous donner encore de l'espoir. Voilà pourquoi il faut tout lui donner ce soir. Alléluia. Il faut tout donner au Seigneur. Voilà pourquoi tu poses la main sur ton père et nous tu tiens ensemble. Mes vœux s'élevaient devant toi. Les yeux sont fixés sur toi. Les yeux sont fixés sur toi. La réponse ne peut, Seigneur, toi tu peux. J'aime bien cette phrase, est-ce qu'on peut le dire? Là où mes forces, là où mes forces. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Regarde la situation et puis dis-le, là où mes forces ne peuvent. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, pour ce projet, toi tu peux, Seigneur. Dis-le encore, là où mes forces ne peuvent arriver. Je crois que tu peux, là où la maladie m'avait limité. Oh, yeah.
je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux. Come on.
Respect the Pilos!
sens dans la louange. Quand on parle de la louange, il faut danser. Il y a une fille dans la Bible qui a dansé et qui a remporté pour trophée la tête d'un prophète. Amen. Elle a dansé. On dit, tu veux quoi? Elle dit, je veux tête de l'homme. Ce qui me dit que dans la louange, il y a des choses qui se passent dedans. Si tu es timide, si tu es malade, lève-toi, tu vas louer Dieu. Tu vas voir que quelque chose va se passer. J'ai pensé que quelqu'un allait pousser les cris de joie, mais il n'est pas fait. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Vers Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Amen. Maintenant, on va passer. Il y a Jésus-Christ qui nous réunit ici, mais il a passé par quelqu'un. Du nom de son serviteur, l'adorateur Melchisédek. Le pilier, le devancier, le responsable, celui qui repose cette vision, il est là ce soir. Il est là, il fait son entrée. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ dans sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ dans sa vie? Merci Jésus, il est là. Que la gloire revienne à qui? Jésus-Christ. Alléluia. On va chanter, on va le célébrer, on va l'adorer. Devant toi, je me prends. Devant toi, je me prends.
la voix du peuple. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me crois saine. Je vais entendre la voix du peuple rassemblé. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Tu es tout.
mon argent, plus que les fêtes de fin d'année, plus que tout ce que tu peux considérer comme richesse. Parce que la richesse va passer, mais il y a une chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi si tu as fait le choix d'accepter Dieu, il doit compter dans ta vie plus que toute autre chose. Est-ce que tu veux dire amen très fort? Il n'y a personne qui peut changer la vie comme Jésus. Il n'y a personne qui peut guérir comme Jésus. Les médecins peuvent découvrir la maladie. Les médecins peuvent soigner. Mais il y a une seule personne qui peut guérir. Et quelle que soit ta maladie ce soir, parce que tu entends ce nom qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, je crois que ce nom te guérit. Et qu'elle n'a pas dit amen. Tu n'es pas venu enfin adorer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il s'est donné pour toi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce nom. Partout tu entends Jésus. Tu entends Jésus à gauche, tu entends Jésus à droite. Et tu te demandes pourquoi on parle tant de ce Jésus. Pourquoi on peut faire la publicité de quelqu'un qu'on ne voit pas. Yes. Mais en réalité c'est parce qu'il existe même quand tu ne le vois pas. Yes. Et ce nom est au-dessus de tous les autres noms. C'est pourquoi même si le marabout a dit que tu allais jouer, lorsque ce nom commence à être prononcé dans ta vie, la parole du marabout n'a plus de pouvoir. Parce que la parole de Jésus est la seule parole qui est capable. Tu as même dit qu'il y a un homme qui était déjà mort. Et il était dans le tombeau. Il avait 4 jours dans le tombeau. Et quel que soit le temps que tu as fait dans les difficultés, lorsque ce nom-là commence à être prononcé dans ta vie, tu commences à sortir des ténèbres, tu commences à sortir de la honte. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner. Tu es en train de te dire, je suis jeune, mais je veux partir à l'église. Je suis jeune, mais est-ce que Dieu va m'accepter tel que je suis? Je suis jeune, je vis dans la drogue. Je suis jeune, je vis dans l'impudicité. Mais est-ce que le Seigneur Jésus va m'accepter tel que je suis? Laisse-moi te dire qu'il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que tes parents. Tes parents te disent que tu n'es pas une bonne personne. Et même parfois tes proches et tes frères te rejettent. Même parfois tes soeurs te disent que tu n'es pas une personne importante. Mais laisse-moi te dire, il y a une seule personne qui connaît ta valeur. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si je parle de lui aujourd'hui, je sais d'où il m'a tiré. Si tu entends Jésus et que depuis des siècles, ce même nom continue de résonner, c'est parce que ce nom est merveilleux, ce nom est puissant. Je ne sais pas ce que tu attends depuis longtemps, mais si ce soir tu entends ce nom, j'aimerais que tu puisses prononcer ce nom dans ton cœur, afin que ce nom puisse agir en ta faveur. Est-ce que tu peux lever les mains comme ça pour bénir le nom de Jésus-Christ? Celui qui règne au siècle des siècles. Celui qui n'a pas son semblable. Celui qui est sorti vivant du tombeau. Hey! Tu es le seul vrai Dieu. Il n'y en a point d'autre. Alléluia. Bien-aimé, c'est tellement merveilleux d'adorer ce Dieu. La Bible dit que les anges passent leur journée. Ils passent leur temps à adorer, à célébrer Dieu. C'est parce qu'en réalité, dans l'adoration et dans la louange de Dieu, il y a une joie comme il n'y en a aucune autre ailleurs. C'est pourquoi les anges, ils chantent. Ils chantent Alléluia. Et tu sais pourquoi les anges chantent? Ils chantent parce que Jésus a triomphé pour toi. Et Alléluia veut dire gloire à Jésus. Les anges dans le ciel chantent tous Alléluia. Chantent tous Alléluia. Jéhovah a triomphé sur la maladie. Les vrais adorateurs, est-ce qu'ils sont là ce soir? Chantent tous comment? Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait crier plus fort que son voisin. Chantent. Et pourquoi? Parce que Jéhovah a triomphé. Oh oui, les anges dans le ciel chantent tous Alléluia. Chantent tous Alléluia. Jéhovah a triomphé. Triomphé. Les vrais adorateurs chantent tous Alléluia. Chantent tous Alléluia. Jéhovah.
peut acclamer le roi des rois. Dis à ton voisin, dis à ton frère, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur a permis que tu sois là. C'est parce qu'il a un message merveilleux pour toi. C'est parce qu'il t'aime. Dis à ton voisin, c'est parce qu'il t'aime. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus, en réalité, il est Dieu. Dis à ton voisin, il est Dieu. Jésus est Dieu. Et il est venu sous la forme d'un homme. Voici son histoire. Il est Dieu et il est venu sous la forme d'un homme. Il est venu parce qu'il t'aimait. Il est venu parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Il a pris une apparence que tout le monde peut voir. Parce que pendant qu'il est Dieu, il est esprit, il est comme le vent, tu ne pouvais pas le voir. C'est pourquoi il a pris une apparence afin de permettre à tous les hommes de le voir. Et l'histoire raconte que Jésus est vraiment venu sur la terre. C'est pourquoi je veux dire à ceux qui pensent encore que Jésus n'existe pas, qu'ils se trompent et qu'il ferait mieux de prier pour que Jésus se révèle à eux parce que Jésus est réel. Alléluia. Jésus est Dieu. Il est réel. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est venu. Il est venu parce qu'il voulait sauver les hommes. Il est venu parce qu'il voulait se montrer tel qu'il est. Parce que souvent les hommes te disent qu'ils t'aiment, mais ils ne te montrent pas qu'ils sont en réalité. Ils cachent une partie d'eux et ils te montrent une autre partie qui va t'attirer. Et avec cette partie, ils vont pouvoir te tromper, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec toi. Mais ils ne pourront pas au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés, il est venu tel qu'il est. Il s'est présenté dans sa nature de Dieu, mais sous la forme d'un homme. Et quand il est venu, il ne s'est pas caché. Il ne s'est pas caché, il s'est révélé à tous les hommes, il s'est révélé à tous les peuples. Il a commencé à parler, il a commencé à prêcher pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est que ceux qui étaient malades doivent maintenant être guéris. Parce que la maladie n'a pas été créée pour l'homme. Mais la maladie est un obstacle lorsque l'homme se loigne de Dieu. Mais en réalité, Dieu ne veut pas que tu te loignes de lui. C'est pourquoi il vient à toi. Parce que quand tu vas regarder à lui, la maladie qui avait le pouvoir sur toi ne pourra plus t'influencer. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il est venu, comme le thème de ce soir l'indique, il a fait un miracle, il a fait un premier miracle. Il avait changé l'eau en vin. Il avait changé ce qui n'avait pas de goût en quelque chose qui avait un goût agréable. Et c'est de la même manière qu'il peut changer toutes choses dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Je ne sais pas ce que tu as voulu changer dans ta vie de négatif. Mais ce soir, parce que tu entends cette parole, si tu n'avais pas pu changer les choses par tes efforts, par tes moyens, par tes relations, par tes contacts, Jésus vient et il change ton histoire. Il y a des choses que tu as voulu changer par tes efforts. Tu as voulu changer ce que les gens pensaient de toi. Tu as voulu changer le cœur des gens à ton égard. Tu as voulu changer la pensée que les gens avaient de toi. Mais tu ne peux pas changer le cœur des gens parce que la Bible dit qu'il y a un seul qui peut incliner le cœur des gens, des hommes et des femmes. Il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque tu lui confies ta vie, tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire. Il dit, il a donné sa vie pour que ceux qui croient en lui, la seule chose que tu dois faire, c'est de croire. Dis avec moi, je crois. Et parce que tu crois, tu verras l'eau changer en vin dans ta vie. Ce soir, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit à fort amen. Je pensais que tu allais acclamer parce que tu croyais en cette parole. Je veux juste t'exhorter en quelques minutes parce que Dieu est merveilleux. Il a changé l'eau en vin. Et cette eau, il a changé en vin. En réalité, il pouvait faire beaucoup de miracles pour se présenter. La Bible dit quoi? C'était son quoi? Premier miracle. Il pouvait faire beaucoup de miracles. Il pouvait venir guérir. Parce qu'en réalité, il guérit. Il sauve, il ressuscite même. Mais il est venu et il a fait un premier miracle. Il était de changer l'eau en vin. Parce qu'en réalité, il voulait apporter un message.
Le premier message d'abord, c'est que tu dois savoir que Dieu est capable de changer ce qui n'avait pas de goût en un goût agréable. Nous connaissons tous cette histoire. Il y avait un mariage, n'est-ce pas? Qui connaît l'histoire? Où Jésus a changé l'eau en vin. Si tu connais l'histoire, fais comme ça. Il y avait un mariage et Jésus s'est rendu au mariage. La Bible dit qu'il n'y avait plus de vin. Parce qu'en réalité, le vin était ce qui faisait que les gens étaient contents dans les mariages. Mais il n'avait plus de vin, donc il n'avait plus ce qui pouvait leur donner d'être en joie. C'est comme quelqu'un qui n'a plus ses amis, il n'a plus son argent, il n'a plus ce qui pouvait lui permettre d'être en joie, d'être content, d'être à l'aise. Et il n'avait plus ce vin. Et il y a quelque chose, d'abord que Jésus a fait, il a changé l'eau en vin. On va revenir dessus, mais la Bible dit que lorsqu'il a apporté l'eau qui était changée en vin, quelqu'un a dit, mais pourquoi tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin, n'est-ce pas? En réalité, il n'avait pas gardé le bon vin parce que ce vin-là n'était pas dans le programme. Les gens avaient vraiment donné le bon vin et le vin était fini. Mais lorsque Jésus avait donné son vin, les gens se sont rendus compte que le bon vin que les hommes disaient que c'était bon là, en réalité, devant le vin de Jésus, ce n'était pas bon. Parce qu'il y a des choses que les gens vont te dire, que le monde va te proposer. Le monde va te dire que c'est le bon vin. Le monde va te dire que ce sont des choses qui vont réjouir ton cœur. Le diable va te proposer de l'argent. Mais au début, tu vas penser que c'est le bon vin. Mais lorsque Jésus fait son entrée dans ta vie, tu te rends compte que ce que le monde t'avait proposé n'est rien face à ce que Jésus te propose. Parce que Jésus te propose une richesse qui ne périt pas. Jésus te propose un salut qui ne périt pas. Jésus te propose une guérison, une santé qui ne finit pas. Jésus te propose une richesse, une joie. Lorsque tu es dans sa joie, même les problèmes n'ont plus d'importance. Même les soucis n'ont plus d'importance. Même les problèmes d'argent disparaissent. Il te propose une joie. Lorsque tu as cette joie, même tes ennemis se demandent, mais qu'est-ce que cette femme a? On ne comprend pas. Hier, elle était malade, mais on constate qu'elle commence à sourire. La maladie qu'elle ressentait, où est passée la maladie? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus t'a proposé une guérison qui te fait sourire. Un miracle qui a fait sortir ton cœur de la maladie et fait rentrer ton cœur dans une joie infinie. Est-ce que je parle de quelqu'un ce soir? Alléluia! Il y a beaucoup de messages dans ce premier miracle. Regarde. Un sacrificateur qui avait apporté le pain et le vin. Et on se rend compte que Jésus aussi vient et vient avec le vin. Parce qu'en réalité, le vin, c'est le symbole du mariage. Mais Jésus voulait dire, de la même manière qu'un homme peut aimer sa femme lorsqu'il la marie, son amour dépasse aussi cet amour. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus nous a pris comme une épouse. Il est l'époux et nous sommes l'épouse. Et c'est une alliance que Dieu venait démontrer, venait tisser avec les hommes. C'est pourquoi il a porté ce vin qui était un symbole d'un mariage, d'une alliance entre lui, Dieu, et puis les hommes. Et je crois que l'alliance de Dieu dans ta vie brise toutes les alliances sataniques qui étaient contre toi. Parce que Jésus fait alliance avec toi dans ce salut, dans ce mariage. Alors toutes les alliances qui étaient dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère n'auront plus de pouvoir sur ta vie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Alléluia. Ce soir, je veux seulement que tu puisses reconnaître ce que Jésus a fait pour toi. Et que tu puisses lui donner ta vie. Nous, les ennemis qui viennent par dizaines et par centaines et même par milliers. Il dit, même si 1000 tombent à tes côtés et même si 10 000 personnes tombent à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Dis avec moi, ma famille ne sera pas atteinte au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas atteint par la maladie, je ne serai pas atteint par la mort, je ne serai pas atteint par les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il combat pour toi. Il combat pour toi. Amen. Qui est malade ce soir? Qui est venu malade ce soir? D'abord, tu vas venir t'asseoir devant.
Parce que je crois que Dieu est le seul capable de te guérir. Et ce soir, il a ta guérison aux mains qu'il va te donner au nom de Jésus-Christ. Je pensais que tu allais dire Amen pour lui. Amen. Qui croit que Dieu est capable de guérir toute maladie? Amen. Qui croit que Dieu est capable de guérir même le cancer? Yes. Lorsque tu as un problème, ne fléchis pas les genoux devant ton frère, ne fléchis pas les genoux devant ta soeur. Parce que ce que tu dis à ton frère ou à ta soeur, quand tu dis c'est mon meilleur ami, le jour où sera en palabre, elle va oublier que tu étais sa meilleure amie. Il va oublier que tu étais son meilleur ami. Je voudrais qu'on laisse cette place à ceux qui sont malades pour que je puisse bien. Lorsque tu as des problèmes, ne fléchis pas les genoux devant les hommes. Ne prends pas ton téléphone pour d'abord appeler, mais fléchis d'abord les genoux devant Dieu. Ne dis pas, mais il ne me voit pas. Ne dis pas, il ne m'entend pas. Parce qu'il est le seul qui t'entend mieux que ton meilleur ami, mieux que ta meilleure amie. Alléluia. Écoute ce chant, il dit: Jésus, je n'ai personne d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Toi qui es malade, dis-lui, mes yeux, dis-lui ça dans ton cœur, sont sur toi. Il va te guérir ce soir. Mes yeux sont sur toi. Jésus, la personne d'autre que toi, mes yeux. Pour qu'on prie pour vous qui êtes malades, approchez. Venez devant vous qui êtes malades.